Rosberg, Lewis est toujours à son meilleur, donc le battre sur une saison est très difficile. George vient de faire une bonne saison, si constant, tire le maximum de la voiture tout le temps. C'est extrêmement impressionnant pour sa première année chez Mercedes. Et Lewis est toujours à son meilleur niveau, donc battre Lewis est un exploit incroyable. Nous savons tous que Lewis a eu une saison un peu malchanceuse et débraillée, où la voiture n'allait pas bien et ils expérimentaient beaucoup. Donc ça remet en con, on va dire que ça remet, ça mélange un peu les choses, ça remet en perspective plutôt, je dirais, les choses. Mais ça n'enlève rien à George, qui a fait un travail incroyablement bon. Lewis est toujours à son meilleur, donc le battre c'est difficile, surtout une saison. Mais ça sera agréable à regarder l'année prochaine parce que ces deux pilotes sont très proches. George certainement est un futur champion du monde, j'ai hâte de voir comment Toto va gérer les deux pilotes. Une chose est de les gérer quand ils se battent pour la dixième ou la sixième place, c'est une autre histoire lorsque vous gérez des pilotes qui se battent pour la victoire ou les podiums, ou même un championnat. C'est un jeu de balle complètement différent. Un jeu de balle, très bien. C'est donc quelque chose que j'attends avec impatience. Voilà! Eh bien écoutez, on attend ça avec impatience aussi. En admettant que la Mercedes W13, W14 soit bien, mieux que la W13. Allez, ciao!